la sécurité d'État où on a parlé des armes. Moi, ces gens-là, je ne les ai jamais vus à Paris venir fouiller chez moi et trouver des armes. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai porté atteinte à la sécurité du Congo. J'ai compris qu'ils voulaient me faire jouer un rôle négatif, c'est-à-dire aller incriminer le général Moukoko. C'est ce qui s'est fait là, il y a quelques jours, ils m'ont appelé. Ils m'ont envoyé un billet pour dire, bon, venez, on a besoin de vous à Brazzaville. Je ne savais même pas qu'est-ce que je pouvais aller bien faire là. Mais finalement, j'ai compris qu'il fallait aller enfoncer le général Moukoko. On m'a proposé d'aller là-bas en tant que témoin. Le ministre qui m'a appelé le mardi m'a dit, il faut venir, vraiment c'est très important. Si vous ne venez pas, on risque de vous condamner par contumace. Cependant, si vous venez, on verra, on va étudier la question et ne pas vous condamner. Ça, c'est le ministre qui m'a appelé le mardi 8 mai à 9h04. Le ministre de la Justice, il m'a demandé d'être là. Il fallait être, donc le mercredi, il fallait que je sois à Brazzaville. Je ne suis pas parti.